Bien, dans cet exercice, je vais travailler donc l'œil. Et je vais commencer par l'iris. Alors là, j'ai. J'avais mes crayons. Je savais qu'il était là. Ici, donc je vais. Bon, là, l'iris. Bah, je vais le faire d'abord au crayon 177 de Pitt. Donc pour faire l'ensemble, pour faire donc le dessin, les sombres et les sombres surtout. Les lumières, bon, je n'ai pas trop l'habitude de mettre, mais bon, je laisse, c'est le papier en fait. Donc, ouais, ce n'est pas la peine de le mettre, c'est le papier. Après, ici, la pile, là, je l'avais fait un peu trop grande. Je vais faire un peu, pas trop. Il y a de la place ici et ici c'est assez large aussi. Avec la couleur un peu couleur olive de chez Pitt 174. Je mets la couleur de base ici de l'iris. Au départ c'est un petit peu des automatismes des couleurs qu'on met au début. Là, par exemple, je mets comme de la partie claire, je mets du gris. Préparer la feuille. Ici aussi. Dans les parties très sombres, je mets le violet 640 de Stabilo. Voilà les parties qui vont être sombres. Bon, ici, un petit peu parce que bon, c'est pas tout à fait très très sombre. Il y aura d'autres tonalités. Ici, c'est parti. Dans l'ombre, mais il reçoit un petit peu parce que on sent qu'il y a un arrondi où c'est la peau de la paupière qui est visible que ici. Voilà, c'est en fait. Toutes les couleurs qu'on voit s'intensifier un petit peu. Là, ça reste quand même assez sombre, donc. Je vais mettre un petit peu plus parce que là c'est dans l'ombre, mais un petit peu de lumière qui reçoit l'arrondi de ici de l'œil. Donc avec le 640, 642, là c'était 642, avec un peu de. Ah, je n'ai pas taillé le crayon, mais bon, ici c'est. Un petit peu plus clair. Donc avec le rose pâle, rose clair de Stabilo, le 681. On vient donner un petit peu ici. Plus de couleurs. À côté, ce sera plus un gris, donc je vais aller en dégradé. Là, c'est 724 de Stabilo. On va s'attarder quand même sur l'iris qui est très beau. Alors c'est un vert très foncé parce que toute la partie supérieure elle est quand même c'est quand même beaucoup plus sombre et donc beaucoup plus foncé.
peut rajouter un peu de noir pour que ce soit un petit peu plus sombre. Bon, ici pour le contour au départ, en fait, je préfère utiliser le bleu foncé, le 760. Après, c'est vrai que vous pouvez utiliser des carondages aussi, mais je les utilise depuis peu, donc pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas l'automatisme d'aller les prendre. Mais c'est vraiment, ils sont très bien. Après, ils sont beaucoup plus pigmentés que les autres, donc c'est comme c'est il faut faire plus attention comment on les utilise. Voilà, je vais travailler un petit peu déjà comme ça ici la partie de la peau ici, pour faire une petite sous-couche parce qu'en fait toutes les parties, cette partie-là sur le travail, ça va influencer la couleur que je vais mettre ici sur l'iris. Je vais mettre le 645, 45, oui. Alors ici, peut-être un petit un rose. Bon, là, je vois celui-ci des carondages, donc je vais l'utiliser ici. Alors, je vais trou essayer de trouver les couleurs de l'œil à l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a du bleu. Le très clair qui est en c'est avec. Je vais mettre avec un peu de bleu très clair. On a un peu de vert ici, mais léger parce que ça reste quand même
un peu plus foncé. Autour de la pupille, c'est bien toujours de mettre un petit peu de marron. Ça fait cette transition pour tout le reste, les couleurs qui vont arriver. Je vois un petit peu de jaune. Bon, ce serait peut-être un petit peu de rouge comme ça ici. Je sais pas, une couleur bleue, mais je sais pas si celle-ci, celle-ci, peut-être. Peu de jaune ici, un petit peu plus clair. Sympa quand il y a, il y a beaucoup de choses. Tout ça, c'est agréable. On voit un petit peu de rose, donc on va utiliser celui-ci. J'ai un bleu ici, j'espère que c'est celui-ci pour faire un petit peu ici des petits. Voilà, les petits. Ce qu'on voit sur sur les yeux, les petites traits. Voilà, ensuite un petit peu. Voilà, parfois j'utilise les carondages. Mais parce qu'ils sont ici en face. Parce que bon, ils sont assez pigmentés, donc c'est sympa de s'utiliser un peu comme si c'était des craies. Les craies, bon, pas tout le temps. Il y a un peu d'encre aussi. Pour que les traits ne se fassent pas trop visibles, je vais stamper avec le bleu. Comme ça fait un œil, une pupille, une iris assez colorée. Sympa. Qui pourrait être un petit peu plus clair. Surtout les bords, il ne faut pas que les bords soient trop foncés. Pour faire un peu le foncé ici. Pour donner vraiment la rondeur, l'arrondi de cette partie-là. Voilà, c'est quand même sympa. Ici, par exemple, on va mettre plus clair parce qu'il y a un peu d'ombre. Donc, on va laisser l'ombre que l'on a mis et il vaut mieux mettre plus clair. Comme ça, on laisse un peu l'ombre. Bon, ici, le rose, on l'avait déjà mis. On peut mettre un petit peu de touche, un petit peu plus clair. Non, c'est pas plus clair. Avec le rose 680, on va laisser faire un petit peu plus clair ici. Quelque chose qui peut être sympa, c'est un peu de bleu, de gris bleuté 724 autour pour que ça fasse transition et ça fasse plus joli le fait de voir du foncé et de clair tout de suite après. Voilà, et je vais mettre aussi oui, le gris foncé du coup ici parce que on va rajouter un petit peu plus.
Voilà, pour que ça se voit quand même. Un petit peu de rose, parce que bon, c'est pas que de gris, pas que de blanc, enfin, des choses comme ça. C'est des petites tonalités différentes. Ici. Alors, vers le bas ici, bon, c'est quand même un petit peu foncé. Vois si je mets celui-ci. C'est l'équivalent que j'avais mis là, mais c'est au carandage celui-ci. Mais bon, il est assez pigmenté, donc je vais mettre avec le 642. Alors, j'aime pas trop stopper, mais là, je vais le faire un peu. Et comme je veux pas. Voilà, ça va être transition, le 642 ici. Bon, parce que cette partie en bas, ça va être clair, mais quand même un petit peu. Ici, sur le globe oculaire. Ensuite, je vais rajouter ici de clair dans le bord, parce que c'est l'arrondi. L'arrondi ici qui va là. Là, on l'adoucit. Il faut que je regarde si ça ne fait pas trop. Ici, pas trop large. Toute cette partie est quand même beaucoup plus claire. Donc bah, je vais essayer le jaune de Naples. Ici. C'est la différence de tonalité qu'on voit par exemple là, c'est clair, mais pas ici. Ici, c'est un peu moins clair.
Là, cette partie un petit peu qu'on voit pas tout à fait commencer, mais ça existe, donc on doit le positionner. Alors, est-ce que commencer à voir mettre un petit peu d'orange. Des petits points comme ça, parce que c'est un endroit qui est humide. Ah oui, non, mais cette partie-là, non, je ne peux pas mettre clair parce que c'est dans l'ombre. Donc, je vais. Alors, les 642. Un peu de rouge, 655. Voilà, donc là aussi c'est un peu rangé. Le reste de la peau, ça va faire vraiment très clair. Alors je vais voir si je mets un bâtonnet. C'est un ombre naturel celui-ci, je crois. Je n'ai pas vraiment tout à fait une couleur de la peau. Mais il va m'aider à éclaircir ici. Comme ça, ici aussi ça va être très clair. J'aime bien préparer parce que là la feuille elle est quand même un peu claire. J'aime bien préparer l'arrivée des autres tonalités. Donc, ça, cette couleur fait vraiment une aidera à faire une belle transition. Sur les sourcils parce que là comme ça comme on voit la peau de toute façon ben, ça fait une jolie couleur de peau. Et ensuite on pourra voir si ça fait un petit peu rose. Bon, ça c'est pas rose. Celle-ci on va voir si c'est là. Donc pour les bâtonnets, je pense que le mieux, enfin, moi j'aime bien aussi les Rembrandt, mais là aussi les Giraud, c'est quand même super pour travailler la peau. Et les crayons, bien sûr. En bâtonnet, je pense que pour l'instant, j'ai testé que ça. Là, je vais un carondage aussi un peu violet. Un violet gris qui est quand même pas mal pour certains endroits, mais bon, là c'est plus à orangé. Alors je vais tenter celui-ci. Bah, celui-ci, j'utilise quand même pas mal, c'est le 675.
Donc là, je te montre souvent les étapes que j'utilise pour faire cet exercice-là. Après, souvent, si tu vois d'autres artistes qui sont plus dans le portrait depuis beaucoup plus longtemps, vont avoir d'autres façons de travailler. Mais bah, je te montre ma façon. Et après, bon, chacun peut avoir ses propres façons de faire. Alors là, je ne sais pas si ça va être trop. Parce que bon, cette partie est quand même assez claire. On va séparer la cerne qui voit ici. Ah, par exemple, le fait d'utiliser celui-ci, ça nous oblige, je vais quand même utiliser le crayon pour l'estomper pour que ça fasse pas trop clair. Parce qu'on veut, je veux que ce soit clair, mais que ça puisse estomper, que ça s'empâte pas trop. Fais attention aussi à au mélangeant. Le crayon, ça va. Mais quand il y a beaucoup de bâtonnets et de crayons, après, ça ne tient plus. Donc, il faut vraiment être attentif à ça. Mais bon, si je mets que le crayon, ça ne suffit peut-être pas trop. Je vais voir. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être sur les parties qui sont vraiment très claires. Comme ça. Voilà, il faut estomper toutes ces parties-là. Là, ici, ça va être clair aussi, juste que là, ça va être clair. Là aussi, ici. Là, il y a couleur rose que j'avais tout à l'heure. Bon, déjà le 680 qui va venir estomper ici.
un peu de jaune de Naples clair pour pouvoir faire ici cette transition qui va jusqu'ici. Cet éclairage comme ça dans l'ombre qui est un petit peu doux, donc on va essayer de laisser doux. Le petit détail de la peau, on peut mettre un petit peu comme ça. Bon, c'est vrai que d'abord, on voit un peu de les petits plis comme ça. Devrais mettre un, là, ici pour. Et un peu de clair entre deux, mais peut-être un rose. Alors, j'ai ce rose-là. Pour les voir un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Voilà. Ah, il faudra travailler les cils quand même. Les cils et les sourcils. Ça se voit un petit peu. Un petit peu trop clair, peut-être seulement sur la vidéo, mais c'est pas assez clair comme je le vois là comme ça. Bon, ici, je pense que j'aurais pu faire un peu plus haut. Et moins sombre ici. Voilà, comme ça on voit l'ombre. Donc ça c'est bien. Ça c'est important. Alors les cils. Les cils. Seulement je voulais rajouter ici ce orangé. Bon là c'est un carondage. Donc il ne faut pas trop exagérer avec celui-ci. Mais j'aime bien cet orangé qui, rouge qu'on voit ici. Ranger ici pour faire l'arrondi. Comme ça, il y a foncé, moyen et après le clair qu'on voit. Voilà.
suis en train de voir que je pourrais mettre voilà, ce rose-là. Comme ça, d'intégrer cette partie-là. Parce que là, après, c'est le front. Ouais, c'est que là, je commence à avoir beaucoup de tonalités. Là, par exemple, ça se voit un petit peu plus dans le jaune, ocre. Quand je prends une couleur, je me dis où est-ce que je le vois encore? Où je le vois? Comme ça, je peux le poser. Bon, ça va faire carré, enfin, à peu près. Voilà, donc les cils. Parce qu'on commence ici en bas. Ici, ils sont beaucoup plus clairs, donc je fais tout doucement avec le noir. D'ailleurs, on peut utiliser peut-être un autre, un violet. Parce qu'à certains endroits, c'est plus... Donc comme ça, on va voir... des tonalités différentes et pas seulement le noir tout seul. Parce que par exemple ici, à peu près ici, il y en a une. Là, il s'est joigné un petit peu comme ça. C'est beaucoup, beaucoup plus clair. Tout ce n'est pas les faire pareil, trop systématique. Une plus courte, une plus visible. Avec le violet, bah, ça va aider à qu'il soit pas trop. Les petites qui sont vraiment à la racine et qu'on voit un petit peu moins bas. Donc, voilà. D'ailleurs, je pourrais avec le bleu faire apparaître certaines peaux, aider le violet à les faire apparaître. Voilà. Et maintenant, les cils d'en haut, donc c'est à peu près pareil. Là, je vais faire peut-être un peu plus. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas pareils partout. Là, ici en bas, on pousse beaucoup plus vers le bas. Ici. Ah, c'était plus ici. Ici, on va commencer à monter un petit peu. On voit à peine un peu. Là, on le voit ici. Ici, on les voit jusqu'à la limite ici. Cette partie-là. Ici, là, on voit des longs qui vont venir de là à là. Il faut tout savoir où elle commence, où elle finit. On respire un peu. Bon, celle-ci, elle est un petit peu plus prononcée, donc voilà. Là, c'est beaucoup plus foncer vers le bas.
Là, celle-ci, elle sort un peu plus, comme ça, un peu courbe. Voilà, il faut pas faire trop, sinon ça va faire bizarre. Ici. Après, le plus difficile, c'est d'essayer de les rendre naturels. Au niveau intérieur de l'œil comme à l'extérieur. On n'est pas trop chargé. Ça, c'est le défi. Si c'est un peu chargé, avec le... mettre un petit peu de couleur qui est en dessous, donc la peau. Pour aérer un petit peu. Donc avec le blanc, j'espère qu'elle est bien taillée. Ici, il y a une petite ligne blanche qui nous rappelle là. Le côté vivant. Voilà, c'est comme ici les petites, petites gouttelettes ici. Là, ici aussi, mais bon, c'est beaucoup plus discret. Ici aussi, c'est beaucoup plus clair. Donc là, je peux utiliser le blanc. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup le blanc. Mais pour certains endroits, il y a la fin, parce que tout était déjà préparé, la feuille, et, enfin, les couleurs et tout ça. Donc là, on peut utiliser le blanc. Ça ne va pas alourdir, mais tout seul, le blanc alourdit. Et je trouve ça pas beau. Donc, qu'on s'alourdit trop avec le blanc. Donc, je vite. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Sur les, ici, les parties, on peut mettre comme ça des petits traits tout petits pour la lumière, pour alléger cette partie-là aussi. Voilà, ça fait plus naturel déjà. Ici, comme par des petites touches comme ça, un peu clair. Là aussi, entre les cils. Là, ça fait un peu trop trop paquet, donc on va alléger tout ça. Ça fait pas naturel. Donc au lieu de mettre du blanc, je vais mettre du bleu. Et voilà, j'espère que c'est plus discret. C'est plus non, c'est plus rose. Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est ces roses-là. Hein? Un carondage, bon, ben, j'ai sorti quand même un carondage. Voilà. C'est pas un peu trop clair parce que je sais pas ce que ça verra après. Voilà. Et maintenant, on va finir avec les sourcils. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut le faire léger parce que bon, on voit pas non plus beaucoup sur cette photo.
Donc, je vais faire ce que je vois. Je pars des petits traits. Regardons de temps en temps le dessin pour ne pas faire, ne pas faire trop. Faire léger. Et on peut mettre les couleurs un petit peu comme voilà. De la peau ici. On voit un peu d'oranger aussi. Voilà. Et si tu veux faire cet exercice, tu peux me demander sur ma page Facebook le dessin, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la photo, bah, c'est un peu plus compliqué. Bah, tu peux me demander la photo et je te l'envoie. Et tu peux comme ça, tu me suis sur Facebook, voilà, et j'interagis beaucoup avec les personnes sur Facebook. Donc, si quelqu'un veut me contacter, il peut me contacter. On peut créer un sujet. C'est comme ça que j'ai commencé à faire le portrait en cours parce que c'est des personnes qui me disaient, ils souvenaient déjà ce que je faisais au crayon, pour l'animalier, mais ils se sont dit, est-ce que tu peux faire aussi quelques vidéos sur le portrait. Donc bon, là je me suis préparée quand même avant. Ça fait quelques mois qu'on me demande, donc c'est vrai que c'est super. Et je me suis dit pourquoi pas. Mais bon, c'est vraiment très important d'interagir avec vous et moi. Donc c'est vraiment super sympa, c'est assez agréable. Et bon, c'est quelqu'un qui m'a demandé qu'il voulait que je fasse des chiens. Mais alors là, ça me dit rien du tout faire les chiens. J'ai rien contre les chiens, mais voilà. En tout cas, c'est le pelage. Donc, le pelage, ben, ça reste toujours pareil, que ce soit chat ou un chien. C'est le pelage et tout. Mais bon, là, pour l'être humain, ça va être tout intéressant parce qu'on peut faire la peau plus foncée, la peau des différents types de peau, la peau noire, la peau asiatique, la peau plus claire, plus bassanée, plus à la personne âgée. Donc, c'est quand même assez sympa. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est quand même un exercice assez sympa. Même si c'était long, je ne sais pas si je ferais deux vidéos ou une seule. Mais voilà, comme ça, tu as tout ce qu'il faut. Je ferai peut-être deux vidéos. Sinon, personne après le voit. Mais de toute façon, si tu vois, tu as la vidéo et ça te paraît long, tu peux toujours venir enfin, le voir et voir la suite après. Mais en fait, ne pas laisser de regarder parce que c'est quand même sympa de voir jusqu'à la fin. Et comme ça, je n'ai pas l'impression de le faire pour rien. Donc, tu peux interagir donc, dans les commentaires. J'aime bien répondre dans les commentaires ce que quelqu'un pourrait vouloir me dire ou s'il y a quelque chose. Ça me fait plaisir. Voilà, je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est un exercice vraiment super sympa. Je suis contente. Et donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle expérience pastel sur le portrait. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.